Auteur majeur de la littérature britannique actuelle, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup, Jonathan Coe, de venir à nous présenter Le Royaume des Unis, votre dernier roman paru en France dans la traduction de Marguerite Capelle chez Gallimard. Le Royaume des Unis narre l'histoire sur 75 années des Lembes, une famille anglaise de Bourneville, cité du chocolat, banlieue de Birmingham, de l'après-guerre à nos jours, sur fond de guerre du chocolat. Cette histoire, à l'humour et au dialogue savoureux, fait le portrait d'une Angleterre qui votera le Brexit et pose la question : comment en est-on arrivé là ? Answering this question involves adopting various different perspectives and various different points of view. Pour répondre à cette question, j'ai pensé qu'il fallait pouvoir adopter différents points de vue. Si j'avais abordé la question au travers d'un seul personnage ou de deux frères, par exemple, ce qui a été mon intention à un moment, je pense que le point de vue, la perspective aurait été un peu trop étriquée, et c'est pour ça que j'ai choisi une grande famille avec de nombreuses générations, de nombreux membres de la famille, pour pouvoir apporter justement une réponse la plus complète et la plus exhaustive possible. As completely and as broadly as I could. Ce n'est pas l'unique récit que vous faites à propos du Brexit, ou plutôt à propos de l'arrivée de Boris Johnson. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans le fait d'écrire sur cet événement-là? Alors j'étais peut-être naïf, ou peut-être que je n'étais pas assez attentif à ce qui se passait autour de moi, mais le vote en faveur du Brexit en 2016 a été une énorme surprise pour moi, et même si la victoire a été étroite, de 52% pour le Brexit contre 48% contre, c'était quand même un résultat extrêmement inattendu, et pour moi et pour beaucoup d'autres écrivains, je crois, ça nous a poussé à nous demander quel genre de pays était le nôtre, et d'où il venait et où il allait pour en arriver. Came from and we belong to. Question toute simple, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette famille? The head of the family, the matriarch, I guess. Alors, la chef de famille, la matriarche en quelque sorte, c'est une femme qui s'appelle Mary Lamb, qui est inspirée vraiment de très près de ma propre mère, Janet. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, j'avais envisagé de lui donner deux fils. Finalement, je lui en ai donné trois, donc il y a Jack, Peter et Martin, parce que je souhaitais avoir un spectre le plus large possible d'opinions sur justement les événements en Angleterre de ces deux dernières décennies. They're a very ordinary bourgeois family, just like the one that I was born into. They live in the same southwestern suburbs. C'est une famille tout ce qui est plus ordinaire, hein, qui ressemble à la mienne, qui vit dans la banlieue de Birmingham, au sud-ouest de Birmingham, là où j'ai moi aussi grandi. Le centre géographique du roman, comme le titre anglais l'indique, c'est Bourneville. Bourneville, c'est une cité-jardin, donc toute proche de Birmingham, qui a été bâtie à la fin du 19e siècle, en même temps que l'usine Cadbury, par la famille Cadbury, et c'est une ville qui reste associée à cette usine Cadbury. Les gens disent d'ailleurs que ça sent toujours le chocolat dans le quartier. Still say that the air itself smells of chocolate. Dans le roman, j'étais frappée par la finesse des dialogues, et qui je me suis demandé si il faisait avancer le récit, ces dialogues, et si ça n'était pas le centre du livre, le dialogue. Writing dialogue for me is by far the most enjoyable part. Écrire des dialogues, pour moi, c'est de loin ce qu'il y a de plus agréable en fait dans le processus d'écriture. Il y a des fois où je me dis que je préférerais écrire finalement pour le cinéma ou pour la télévision, parce que ce sont des médiums dans lesquels très souvent l'intrigue avance uniquement justement par la force des dialogues, alors que dans le roman, on est parfois obligé de s'en éloigner pour passer à la description, ce qui est pour moi l'aspect de l'écriture qui reste le plus difficile, le plus gros défi. That I always find the most difficult and the most challenging. Pour moi, un personnage ne naît pas, il ne prend pas, il n'a aucune réalité, en fait, jusqu'au moment où il commence à parler. C'est seulement à ce moment-là qu'il prend corps. C'est très différent d'autres écrivains qui attachent énormément d'importance aux descriptions des vêtements, des cheveux, de l'apparence, par exemple, du personnage, et c'est ça qui, pour eux, fait apparaître, naître le personnage. Pour moi, vraiment, un personnage n'existe qu'à partir du moment où il se met à parler.
ce qui m'apparaît aussi à la lecture de votre livre, c'est une autre question encore, qui est savoir si on a fait le bon choix. Ça, c'est de la littérature, savoir si on a fait le bon choix. We can never know that we've made the right choices, and. Mais je crois qu'on ne peut jamais savoir si on a fait un bon choix, mais quelque part, les personnages de tous mes romans sont hantés justement par cette idée d'avoir peut-être fait un mauvais choix. Ils sont tous confrontés à un moment dans leur vie, à un carrefour où ils peuvent prendre une direction ou une autre. Il n'y a pas forcément de différence entre ces directions, mais ils sont hantés par l'idée d'une vie qui aurait pu être peut-être différente pour eux, et c'est particulièrement le cas de Benjamin Trotter, qui est un personnage qui apparaît dans trois de mes romans et qui est en fait un parent éloigné de la famille du Royaume des Unis. All our lives turn upon the toss of a coin, and this is one of the most frightening things to contemplate and to come back. Et c'est justement ce qui fait que ça peut être difficile pour en revenir à ce sujet du Brexit. C'est l'exemple parfait. On a une victoire extrêmement étroite qui induit un changement absolument drastique pour le pays. 7 ou 8 ans plus tard, on est encore en train d'en affronter les conséquences et on aura encore à les gérer pendant un long moment, alors que évidemment les choses auraient pu prendre un tour tout à fait différent. Et donc, la tentation de revenir là-dessus, de revenir sur le chemin qu'on aurait pu prendre, existe bien sûr, mais c'est aussi une forme de folie. Un de vos personnages, vers la fin du livre, parle des apparences. Vous, faut-il la légèreté et l'humour pour aller au-delà des apparences dans ce récit ou dans vos romans? L'humour, pour moi, c'est vraiment une manière d'atteindre la vérité et d'aller d'une façon très puissante et d'aller dans des endroits très profonds, très surprenants. Pour moi, c'est une des armes les plus puissantes dont on dispose dans notre arsenal d'écrivains. Et j'ai du mal à toujours à comprendre pourquoi certains écrivains choisissent de se passer de cet outil-là, qui pour moi est à la fois un des plus simples et un des plus efficaces et puissants à utiliser pour écrire. C'est un des plus importants outils que nous avons comme écrivains. Merci beaucoup, Jonathan Coe. Merci à vous aussi. Thank you.